Johnny Hallyday les dernières informations sur son album posthume. C'est officiel depuis la semaine dernière, rien n'empêche désormais la sortie de l'album posthume de Johnny Hallyday. Vendredi 13 avril, le tribunal de grande instance de Nanterre a en effet débouté Laura Smet et David Hallyday de leur demande d'obtention d'un droit de regard sur le futur disque de leur père. Comme le révélaient nos confrères du Parisien ce week-end, deux dates de sortie seraient envisagées à l'heure actuelle. L'une, le 15 juin prochain, aurait une valeur symbolique forte puisqu'il s'agit de la date d'anniversaire de Johnny Hallyday. L'autre, autour des fêtes de Noël, répondrait à des impératifs économiques puisque c'est à cette période que sont enregistrées les plus fortes ventes d'albums. Pour l'heure toutefois, Personne ne sait vraiment à quoi s'attendre et pour cause. Nous avons tous signé des contrats de confidentialité comme cela s'est fait pour tous les derniers albums de Johnny Réveillet ce week-end de Sébastien Faran au JDD. Le dernier manager de Johnny Hallyday, récemment placé en garde à vue, a toutefois glissé quelques indices au cours de son interview, notamment sur la future pochette de l'album. Dans la notion d'amour que Laetitia lui a redonnée, cela passe par le noir et blanc. C'est elle qui a déniché le photographe Mathieu César pour la pochette et le clip de l'album De l'amour, 2015. Une photo de Johnny Hallyday en noir et blanc pourrait ainsi figurer sur la pochette. Ce que l'on sait en revanche, c'est que cet album sera composé de dix chansons comme Je ne suis qu'un homme, j'en parlerai au diable ou mon pays c'est l'amour. Par Benjamin S.